Oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui vous ne rêvez pas, on passe bien notre test pour rentrer chez les pompiers. Et ouais, on se met bien sûr dans la peau du personnage, et aujourd'hui nous sommes sur Notruf 112 Die Fuhrer Simulation. Et comme vous aurez pu le constater, j'ai un très bel accent allemand. Attention, c'est parti, nouveau jeu, on va tester ça tout de suite ensemble. Die Fuhrer Simulation. Die Fuhrer, comment que ça se prononce ça? Franchement, j'en ai aucune idée. Ah, bonjour et bienvenue à Emergency Call 112, The Fire Simulation. Effectuer de nombreuses tâches quotidiennes dans un service incendie professionnel. Et bah ça, ça va être cool. Et petite question dans les commentaires, comme ça, est-ce qu'il y a des pompiers parmi nous sur la chaîne? Laissez un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et oubliez pas toujours les gens que vous avez un petit lien dans la description pour acheter vos jeux moins chers sur G2A. Et ça, c'est bien cool. Comment que ça se passe là? Alors attends. Ah, ça commence bien, la centrale nous appelle. Accident de la circulation. Véhicule de poste ELWEL, d'accord, camion citerne. Responsable de l'équipe d'attaque coordonne les moyens de lutte pour les attaques intérieures ou extérieures sous protection respiratoire. Il est responsable du secours des personnes. On va prendre lui, il a l'air bien. Ça y est, c'est parti mon vieux. Achtung, Hilfeleistung. Verkehrsunfall VU1. Yes. Einsatz für LF24. Yes. TV1. Ok, d'accord. F1, F2, F3. D'accord. Ah putain là, j'ai changé mon vieux. Attends, je suis dans le camion là. Qu'est-ce qui se passe là? Attends, c'est moi qui conduis ou comment ça se passe? Je suis où moi? Je suis lequel? On est parti sur un accident de la circulation. Comment qu'on avance? Ah non, c'est moi ça. J'arrive? Ah bah il est toujours en retard celui-là mon vieux. Ça y est, on peut partir, c'est bon. Ah non, c'est pas moi qui pilote. Salle de contrôle, chef d'agré, nous sommes en route vers les lieux d'intervention. Et bah ça c'est cool, on est parti tout de suite. Attention, centrale. Oui, bien. Voilà, on a foutu la sirène. Ça c'est cool, ah bah ça va, l'accident il est juste à côté de la caserne. Attendez jusqu'à ce que tout le monde soit arrivé sur les lieux. Bah mon vieux, ils en foutent du temps, ils sont à peine à 10 mètres de la caserne. Allez c'est parti, appuyez sur return pour démarrer la mission. À la caserne, prêt à intervenir, B, d'accord, B. C'est parti mon vieux, on y va là, allez, comment que ça se passe là? Hein, attends, F2, F3, F4, F5, mon vieux, je comprends rien. Appuyez sur return pour démarrer la mission. Il y avait un bouton return là-dessus sur mon clavier. J'ai pas de bouton return sur mon clavier mon vieux, comment tu veux que je fasse? J'ai appuyé sur entrée, attends, j'ai... Je suis le seul qui sort pas du camion là. Attendez-moi les gars. Attendez-moi, je sais pas comment qu'on sort du camion. Regardez, ils ont attaqué sans moi. Je suis toujours dans le camion moi. Attends. Ah ça y est, reçu. Nous prenons soin de préparer. D'accord, vas-y, vas-y, prépare. C'est parti. Qu'est-ce qui vous arrive mon petit monsieur? Ouh, ça a dérapé là. Ouais, ouais, ouais. Attendez, bougez pas. Je vais aller voir dans la voiture s'il n'y a pas de blessés. Oh, puis il y a une fuite d'essence mon vieux. Ok, personne dans le véhicule, c'est bien. Il a mis ses warnings, ok. Allez, vas-y, Jomi, sors le tuyau d'arrosage, mon vieux, ça va prendre feu là. Regarde, il y a une fuite d'essence. Ah, attendez, faut peut-être que j'aille sécuriser la zone. Allez à la balise longue distance. Prenez balise longue distance de compartiment à matériel. Voilà, impeccable, c'est bon, on y est. C'est bon, voilà. B, appel d'urgence, 4, arrivé sur les lieux d'intervention. D'accord, c'est pas mal, c'est bon, on y est là. Vas-y, c'est parti, j'y suis là. Voilà, prenez balise longue distance quand allez à secteur, placez balise longue distance. D'accord, comment que... Je comprends rien mon vieux. Alors attendez, bougez pas, je vais aller voir le chef d'équipe. À mon avis, il va me dire quoi faire. Non, parce que je vous explique, c'est mon premier jour là. Ah bah voilà, tirer compartiment matériel. Ok, ramasser collecteur. Attends, je vais prendre ça. Dévidoir, donc non, c'est pas ça. Moi, il faut balise longue distance de compartiment matériel. C'est peut-être l'autre côté. J'ai vu là, il y a un truc en vert. Voilà, ça doit être ça sûrement. Ouvrir le volet roulant. Ah bah voilà. Non, attends, balise longue distance. Vas-y, donne-moi ça, je prends. Non, d'accord. Voilà, je prends. Non, toujours pas. Ok. Voilà, c'est impeccable. Je l'ai. J'y vais, j'y vais. Je sécurise la zone. Vous inquiétez pas. Voilà, on y est impeccable. On va poser ça ici tranquillement. Alors attends, Q, poser la balise. Ok. Voilà. Là, c'est bon. Alors, accident de la circulation. Attendez d'autres instructions. Ça marche, mon cap chef? Chef, j'ai posé la balise. Ok. Alors, lui, il y va tranquille, mon vieux. Il est pas pressé. Hein. Il est pas pressé. Ah, regarde ça. Il bouscule tout le monde. Il fait vas-y, dégagez. C'est bon, on y va. Ah, qu'est-ce qu'il a pris, mon vieux? Ah, d'accord, il a pris un écarteur et tout. Ah oui, effectivement, mon vieux, il y a une petite fuite. Ouais, regarde ça, comment qu'il pousse tout le monde. Laisse tomber, il s'en bat les couilles, le mec, quoi. Alors, comment que ça s'est passé, mon petit monsieur? Ouh, vous avez pas l'air d'accord. Ouais, ouais, ils sont prêts à se taper sur la gueule, là, ça se voit, hein. Ah, ça y est, on a des nouvelles instructions. Absorber la fuite de carburant. Allez à absorbant. D'accord, j'y suis. Comment qu'on absorbe? Prenez absorbant de volet roulant. J'y vais. Ok, c'est l'autre côté, je le vois. Ah ouais, mais en fait, ça va, c'est super intuitif quand tu regardes bien. Ramasser l'absorbant. Ah ouais, mais en fait, c'est génial, carrément. Regardez ça, j'ai l'absorbant dans les mains et tout. Ok, d'accord. On absorbe. Ah ouais, regardez ça. Regardez ça, regardez ça. Ça y est, j'absorbe, j'absorbe là. Voilà, ça absorbe. C'est bon. Regardez ça, comment qu'on a bien tout absorbé là. Voilà. Vas-y, balaye, balaye, Jean-Mi, balaye.
Voilà, c'est bon ça, ça c'est du travail d'équipe. Ici le chef, d'agré, parlez. Nous avons enlevé le carburant, c'est parfait. Attendez d'autres instructions. Enfin là c'est marqué attendez. Attendez d'autres instructions, eh. Nous savons les moyens de vous faire parler. Attends, il court lui, mais qu'est-ce qu'il fout mon vieux? Hein? Alors mon vieux, et lui là? Il fout rien, c'est le chef d'équipe, lui comme il fait là, il a un gilet rouge. Ça c'est comme à la DDE mon vieux. Un qui bosse et 12 qui regarde. Tu veux pas bosser? Ah bah voilà, tiens, c'est bon. Allez à la portière de voiture, montez à bord du véhicule LF24, embarqué comme passager vers la caserne. Alors attends, la voiture. Déjà, je vois pas de voiture. Il y a un gros camion, il y a une camionnette. C'est bon! Impeccable! Mission accomplie, chef! Reçu, mission accomplie. Lieu sous la responsabilité de la police. Ah, voyez? J'ai fait mon boulot de pompier, ça c'est cool franchement. Putain mon vieux, ce détour qu'il fait pour rentrer à la caserne. Attends, on était à côté, Jean-Mi là, qu'est-ce que tu fous? Regardez ça, comment qu'il est sérieux mon vieux quand il conduit. Pff, il rigole pas, laisse tomber. Hein. Ah d'accord, eh ben c'est bien fichu franchement. Allez, mets donc la sirène là mon vieux, c'est rouge là. Passe. Attends, il y a pas moyen que je conduise le camion? J'arrive pas à changer de bonhomme. Ah bah voilà, ça c'est parfait. Ouh, ça c'est un joueur de Road Truck Simulator. Oh oui, ça se sent. Voilà, c'est impeccable. C'est du bon travail mon capitaine. On a fait tout ce qu'il fallait. Je vais aller me changer mon vieux. Rapport de mission. Le véhicule en question a dérapé pour des raisons indéterminées. Les occupants sont parvenus à se libérer tout seuls. Sur place, les lions ont été bouclés et le véhicule accidenté a été mis en sécurité. La route a été bloquée jusqu'à l'arrivée de la police. Nickel. Bon, je vais au réfectoire. On va faire une petite pause tranquillement mon capitaine. Et en attendant les nouveaux ordres. Attends, non, ce délire. On peut monter? Attends, arrête tes conneries, jure. On peut monter comme ça, non? Comme les vrais pompiers et tout? Peut-être qu'on peut pas monter mais qu'on peut descendre. Ah oh ouais, arrête. Non. Je la refais. Utiliser perche. Oh là là, comment que c'est trop classe, franchement, c'est trop stylé. On va visiter un petit peu la caserne, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, ah, bah voilà, ça va se passer par ici. Alors, ici, nous avons le petit bureau, ça c'est pour prendre l'apéro. Oh, pollution d'huile. Chef de l'équipe d'attaque, responsable de l'équipe d'attaque, coordonne les moyens de lutte pour les attaques intérieures ou extérieures sous protection respiratoire et responsable de secours des personnes. On va changer un petit peu, on va prendre lui, chef de l'équipe d'alimentation, effectue le raccordement des tuyaux, ouais, on va prendre lui. Lui, il est bien. Allez, vas-y, c'est parti, les gars. Attends, parce que ils sont en train de partir sans moi là. Vas-y, laisse-moi m'asseoir. Allez, c'est parti. Ici la salle de contrôle. Nous sommes en route vers les lieux d'intervention. Et ben ça c'est impeccable. Vas-y, mets ta sonnette. Voilà, putain mon vieux, comment qu'il a failli l'accrocher. Il a failli faire 10 morts pour en sauver un quoi. Laisse tomber. Ah, on est arrivé? Je vois rien mon vieux. Ah, ça doit être dans l'usine. Appuyez sur retourne pour démarrer la mission. Ah, je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, ok, c'est entré. Allez, on y va. Absorber la fuite de carburant. Je vais prendre l'absorbant bien entendu. Attends, on va mettre un cône pour délimiter. Voilà, donne-moi ça. Voilà, on va mettre des petits cônes tranquille. Ah bah mon vieux, avance alors. Voilà, bougez pas chef, j'y vais. Vas-y, absorbe Jean-Mi, j'arrive. Je vais poser les cônes, bah le temps que je pose les cônes, tout le monde aura fini le boulot quoi, laisse tomber. Voilà, ça c'est impeccable, c'est bon. J'ai délimité la zone chef, ça y est, d'accord. C'est fini, ok. Et bah c'est parfait. Regarde-moi ça, Jean-Mi, t'as travaillé comme un cochon là. Alors, je vais chercher le balai. Attends, donne-moi ça, putain, c'était moi qui voulais le faire. C'était moi qui voulais le faire mon vieux là. Putain. Et si tout le monde me prend mon boulot là? Eh, je suis pas poseur de cônes moi mon vieux hein. C'est quoi ce délire? D'accord, tu vas chez les pompiers, t'es poseur de cônes quoi. Ramasser cônes de signalisation. Ah ouais? Ah bah il est bien mon boulot. Poseur et ramasseur de cônes professionnel mon vieux. Bac plus 5 pour faire ça, attention. Ah oui, faut un diplôme mon vieux. Eh moi je suis diplômé. Alors, eh ouais. C'est pas n'importe qui est capable de poser des cônes comme moi. Regardez comment que je les ramasse bien. Hein? Ah ouais mon vieux, faut un diplôme pour ça. À l'heure d'aujourd'hui, il te faut même un diplôme pour visser une vis mon vieux. Je te jure, il te faut un master de poseur d'écrou quoi. Laisse tomber. D'accord, on va ramasser ça ici. Et eh ben c'est impeccable ça, voyez. Ça c'est une bonne mission. Nickel. Attends, c'est moi qui veux conduire le camion. Oh, c'est moi qui va conduire. Oh, non, c'est moi qui conduis là. Attends. Vas-y, c'est moi. Attends. Comment qu'on conduit? Comment? M moteur. Attends, j'ai pas trouvé l'accélérateur. Non, merde. Mais non, descends pas, il y en a qui va me prendre ma place. Comment qu'on avance mon vieux? Il a plus d'essence ce bordel. Embarqué comme passager vers la caserne. Ah, comme passager, putain. Oh, je peux pas conduire. T'es sérieux? Je peux pas conduire. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas le diplôme de conducteur de camion. Arrête, vas-y, putain. Bah vas-y, hein, conduis, allez, vas-y. Je vais m'asseoir, c'est bon. Ah, ok, d'accord. Le conducteur, il était derrière. C'est un petit filou, hein. Il attendait que je me casse de son camion pour prendre ma place, quoi. Ici, la salle de contrôle. Compte rendu à l'arrivée sur les lieux. Mission accomplie. Lui, il a été ramassé. Et moi, alors, mon vieux? S'il n'y avait pas de poseur de cône dans l'équipe, comment t'aurais fait pour absorber la tâche, hein? Le poseur de cône, il est très important. Eh ouais, il tient une place essentielle. Eh mais c'est vachement charmant, cette petite région, regardez. Il y a des petites maisons atypiques et tout, franchement, c'est super cool. J'aurais bien voulu qu'il y ait une baraque qui prenne feu un petit peu là pour voir ce que ça faisait. Genre, tu vois celle-là là. J'irais bien y mettre le feu volontairement juste pour l'éteindre, pour voir ce que ça fait. Allez, Jean-Mi, il passe, c'est rouge, mais on a les sirènes là, vas-y mon vieux. Il est content, Jean-Mi, hein. C'est lui qui conduit le camion, hein. Il le sait que c'est lui le conducteur, hein.
Ouais, va. Allez, tu t'en sors bien pour cette fois. Oh là là, regardez ça. Jean-Mi est conducteur de camion professionnel depuis 1950. Comment qu'il gère? Direction le réfectoire pour prendre l'apéro, c'est parti. Bon les gens, on va s'arrêter ici pour cette petite vidéo sur Nostruf 112. En tout cas, franchement, il est bien cool. J'aurais bien aimé éteindre un petit feu de maison ou quoi, mais bah il y en a pas eu. Peut-être la prochaine fois, qui sait? On sait jamais. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, pourquoi pas la partager, ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos et salut tout le monde, ciao.